championne de beaucoup de disciplines. Elle a été championne d'Europe et du monde en savate, course française, championne du monde de la fédération Waco en Kiwan et championne du monde ISCA, une bonne fille aussi, de bataille italienne. Thank you.
spécial. Par exemple, je vous dis l'histoire. Nakamoto, c'est quelqu'un qui, dans les années 1700, qui était prisonnier par les Birmans, il était soldat et boxeur. Et il a battu, pour se délivrer, il a battu 10 boxeurs birmans. Et voilà, ça fait partie aussi de... Donc elle fait appel en fait au dieu du Muay Thai. Et ensuite, ça fait partie aussi d'échauffement. Et on reconnaît aussi les écoles aussi par leur ramoué. Alors avant ça se faisait vraiment, maintenant là on peut faire un ramoué juste par tradition. Mais avant on reconnaissait l'école par le ramoué. Donc on a plusieurs ramoués, on a le ramoué du pêcheur, le ramoué du cygne, voilà, et qui est très joli à voir. Voilà, merci à Loan qui en fait de nous faire profiter du ramoué. Et tout.
je veux que tu kicks ça, jambe, je veux que tu kicks. Après, ta gauche, elle rentre tout seul. Kick, gauche. Avancez dessus, t'as avancé dessus, mais là, t'as plus fort, t'as voulu, t'as plus fort. Allez, un, deux, un, deux. Vous savez ça. Ok, kick intérieur, gauche, kick intérieur, gauche. Gauche aussi. Et après, tu pourras faire autre chose. Un petit peu. Ah, ben, c'est la première fois que tu as fait. Non, c'était pas. C'était pas, c'était pas. Allez, on est en centre, Seigneur Orduli. Allez, la prise de sang, Seigneur Orduli. Maintenant, Louane, quand elle avance de trop, elle part avec la gauche. Rentre-lui.
gauche, elle peut rentrer. Mais il faut que tu la mettes plus vite. T'attends qu'elle, troisième, elle déclenche. Un temps de retard. Dès que tu sens qu'elle va partir, il faut que tu la rentres. Après, t'es encore en sécurité. Allez, le troisième, il faut vraiment que tu fasses mal. Il va rentrer. Parce que derrière ta bouche, elle monte bien la garde. Allez, je vous laisse, il va vraiment faire la différence. Non. Il faut pas de différence. Là, elle est rouge, tu la touches bien. C'est bien. Rentre ta bouche fort avant qu'elle déclenche la sienne. D'accord. Avant qu'elle te touche, après tu touches. Pourtant, tu vas chercher fort. Et quand elle est trop près, il est trop. Il faut vraiment que tu... Ah oui, t'es trop bas, ça. Allez. Gauche, ça suffit pas pour la déstabiliser. La gauche est enchaînée. Un, deux, derrière.
avant toi, elle a le temps de voir. Hein. Là, tu vas recommencer, tu vas lui cliquer en bas, tu vas lui cliquer là, tu vas lui cliquer en bas, tu vas rentrer ta gauche, tu vas enchaîner derrière. Et de temps en temps, garde une tête. Voilà la garde là. Physiquement là, et si elle te saute dessus, c'est qu'elle monte. Très bien, très très bien. Très bien. Alors, comme vous pouvez voir, vous pouvez faire la différence entre ça et la Bamouna, et bien c'est ouvert à tout le monde. Vous avez vu tout à l'heure des enfants, et vous avez vu aussi bah, maintenant des adultes, mais aussi des femmes. Elle est à ta gauche, à gauche, comme on le voit à l'entraînement. Elle reste en face, elle prend ta gauche et après t'attends. Bon, après, il faut s'en prier, hein, je vais aller la première. Allez, la première. Allez, sors, la première. Allez, tout de suite parce que là, elle a de l'énergie, après, elle n'en aura plus. Il n'y a plus que ça, elle évite ta jambe, continue à lui faire mal avec ta jambe, tu lui fais très très mal, d'accord ?
Le seul moment où elle te met la pression, c'est quand elle en a marre, elle te saute dessus. Elle te saute, t'es dans les cordes, reviens avec le coup de coude, reviens avec ton coup de coude, bien compact. Ou avec le genou. Mais sors quelque chose. Non. Mais il faut que tu fasses la différence dans le dernier, là. D'accord. Cinquième et dernière reprise. Monte là, elle va être obligée de te sauter dessus. Mais comment tu lui fais mal, là? Comment tu lui fais mal? Oui, toi aussi. Elle doit être bien compacte. Enchaîne, un tour. Qui combat? Qui est au milieu? Non, pas mal quelque part. Les jambes, ça va? Le seul moment où elle prend l'ascendant sur toi, physiquement j'entends, c'est quand elle te met dans les cordes. D'accord? Et à ce moment-là, tu as toute la latitude, je te promets, il y a des boulevards pour rentrer les coudes. Elle vient sur toi comme ça. Mais prends les cordes et reviens. Ou appuie sur ta jambe. Ou attrape-la, Louane. Ou attrape-la. Mais il faut que tu continues avec ta gauche, ta jambe. Ça rentre tout le temps. Là, elle va être obligée de prendre des risques. Elle va encore baisser. Continue, tu lui fais mal, avec toi, tu lui fais mal en bas, allez, à tout, ça se met en bas. Allez, Oh!
sera à venir remettre la récompense. Merci. Un joli bouquet de fleurs. Merci.